Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Reptistore. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo sur un sujet où vous êtes nombreux sur Instagram à m'avoir demandé d'en parler. Et bien vous l'aurez compris, je tiens dans ma main un des spécimens stars de cette vidéo. Il s'agit donc du boa vipère, le Candoia aspera. Donc aujourd'hui on va parler du fameux Candoia aspera, le boa vipère, comme je les appelle moi souvent mes petites viperas. Je vais vous parler quel travail j'effectue dessus, qu'est-ce que j'ai déjà effectué comme travail, donc c'est-à-dire je les ai déjà reproduits, j'ai déjà réussi à démarrer les petits, etc. etc. Je vous expliquerai pourquoi c'est quelque chose sur lequel j'insiste parce que c'est vraiment pas facile. Je vous présenterai plusieurs spécimens, je vous montrerai également vraiment le dimorphisme sexuel qui est très prononcé sur cette espèce en général chez tous les bois, parce qu'il faut savoir que c'est un boa, certes dans son nom il y a vipère, mais c'est un boa vipère, c'est-à-dire c'est un boa qui a tout de la vipère, que ce soit la morphologie, la forme de la tête, le dessin, les caillures, etc. etc. Et franchement on peut s'y faire prendre facilement. Avant de vous montrer quelques spécimens, on va un petit peu parler de cette espèce. Pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que c'était pas facile? Alors exactement, il y a très peu de NC. Les informations même en anglais et en allemand sont extrêmement rares sur cette espèce là. Je vous parle pas des Paulsoni qui sont beaucoup moins rares et beaucoup plus faciles que le aspera. Et puis c'est une autre espèce totalement différente. Il faut savoir que moi j'ai débuté avec un couple qui était sauvage, donc d'import. De là, j'ai failli perdre le mâle, parce qu'il était parasité interne et tout, c'était vraiment limite de le perdre, mais grâce à un traitement à base de panacure, et encore que le panacure c'est quand même assez costaud, j'ai failli le perdre même avec ce traitement, il a réussi à survivre. De là, je les ai mis en reproduction, oui je regarde ici parce que là, il y a un des terrariums des Candoia aspera, après j'en ai dans des racks, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure. Donc je vous disais, de là, je les ai mis en reproduction, ma femelle a ovulé, il y a eu une période de gestation de 8 mois, vous vous rendez compte, 8 mois de gestation sur cette espèce-là, c'est quand même assez énorme. Et j'ai eu ma première portée de Candoia aspera. Exactement, j'ai eu 10 spécimens, donc j'avais 10 spécimens à peu près de toutes les tailles, ils n'étaient pas tous égaux. Il faut savoir aussi quelque chose que j'avais jamais entendu parler. Ils sont nés et ils ont immédiatement fait leur première mue. C'est-à-dire, le matin où ils sont nés, il y avait déjà toutes les mues dans le bac. Donc, est-ce que c'est une particularité de ces animaux-là? Je ne sais pas. J'attends ma deuxième repro qui devrait arriver à la fin de l'été pour pouvoir le confirmer. J'ai réussi à garder mes spécimens d'import vivants, à les nourrir correctement, à les reproduire, mais ça c'est pas le plus dur. Le plus dur c'est de démarrer les petits et d'arriver à les garder en vie. Il faut savoir que sur ces 10, bien sûr, je n'ai pas eu les 10 qui sont restés vivants, j'ai eu quand même de la perte, mais le plus dur c'est le démarrage et c'est encore plus dur de les démarrer au rongeur décongelé. Et moi l'exploit que j'ai réussi à faire, je vous dis un exploit parce qu'en France c'est quasiment introuvable, quelqu'un qui a fait du NC, il y a une autre personne dans le sud qui s'appelle Clément, il se reconnaîtra, et moi qui avons réussi à démarrer les petits et à le reproduire. Sinon j'ai jamais vu, ça se peut qu'il y ait quelqu'un dans son coin qui l'ait fait, mais j'en ai jamais entendu parler en tout cas. Et donc l'exploit que j'ai réussi à faire, c'est de les démarrer tous. Il n'y en a pas un qui a rechigné sur du rongeur décongelé. Alors j'ai ma petite technique, au début j'ai galéré, puis par un pur hasard, j'ai réussi à trouver une petite technique qui a fait qu'ils ont tous pris un par un leur rongeur décongelé. Donc je réitérerai ça sur la prochaine portée qui va arriver à la fin de l'été, parce que ma femelle est pleine. D'ailleurs pour ceux qui me suivent sur les réseaux, je vous avais mis une petite photo de son ovulation, c'est quand même assez impressionnant. Donc on réitérera cette technique pour voir si c'est vraiment efficace. Et si c'est vraiment efficace, je commencerai à en parler. Donc c'est une fierté pour moi d'être, pour ne pas dire le seul en France, un des seuls à proposer du NC France. Parce qu'on peut trouver du NC dans les pays de l'Est, mais du NC France, voilà, vous en trouverez pas. Donc c'est aussi une fierté. Donc cette espèce, je vais la travailler. Il faut savoir que il existe plusieurs formes. Donc la forme blanche, jaune, beige, noir, rouge, grise, marron. À ça, vous avez aussi les bicolores, donc rouge et noir, noir et jaune, gris et marron, rouge et noir. Vous avez vraiment les toutes les couleurs. Je pense que derrière, il y a une histoire de localité, mais comme je sais pas encore, j'en parlerai pas plus que ça. Maintenant, je pense que ce qui vous intéresse, c'est de voir les animaux. Donc, je vous parlais de reproduction tout à l'heure. Ça, c'est un des spécimens issus de ma reproduction que j'ai évidemment gardé. Donc sur les 10 spécimens, j'ai sélectionné un spécimen que je me suis gardé. Il s'agit de celui-ci, une magnifique femelle
C'est celle qui a démarré en premier, c'était la plus jolie pour moi, donc d'où le fait que je l'ai sélectionnée. Magnifique bestiole. C'est une femelle qui va avoir 2 ans en cette année, donc en novembre, puisque la ponte avait eu lieu le 3 novembre 2019. Donc voilà, un petit spécimen issu de ma production NC France. Je vous montrerai bien sûr après comment je les maintiens, dans quoi je les maintiens, avec quel substrat, mes techniques, etc., etc. Allez, là on va se retrouver sur un autre spécimen, donc vous voyez, complètement différent. Il est noir avec une ventrale jaune. Donc ça c'est assez magnifique. Donc ça c'est mon mâle. Vous voyez ma femelle qui a bientôt 2 ans fait quasiment sa taille. Donc lui malheureusement j'ai pas son âge puisque c'est de l'import, c'est du sauvage. Vous voyez, magnifique bestiole. Complètement mélanique. Donc ça, c'est celui qui me fait penser le plus à la vipère de tous les spécimens que je possède. J'espère que vous en apprécierez vous aussi la qualité, parce que c'est quand même des bestioles magnifiques. C'est une des rares espèces que je garderais si on me demandait d'en choisir très peu dans mon élevage. Voilà. Et donc, vous voyez sa taille. Je vais maintenant vous montrer la femelle. Vous allez voir la différence. Bon, madame était dans son bain, du coup elle est toute mouillée. Voilà la différence de gabarit mâle-femelle, vous vous rendez compte? Donc là on est sur une femelle qui, je pense, va pas tarder à me faire une mue. Mais elle, elle est rouge, donc de forme rouge. Donc c'est une femelle qui a déjà, c'est celle qui a reproduit déjà chez moi. Donc c'est la maman du petit que vous avez vu tout à l'heure. Et tout à l'heure c'était le papa de la petite que vous avez vu. Et vous voyez, d'un animal noir et d'un animal rouge, ben on obtient des spécimens différents, c'est-à-dire que la femelle, elle est grise et noire, peut-être rougeâtre un petit peu sur les flancs, mais vous voyez, totalement différent. Donc les phénotypes sont assez, assez sympas, assez différents sur chacun de ces spécimens de cette espèce. Donc vous voyez, le dimorphisme sexuel est assez impressionnant quoi sur cette espèce. Là on est vraiment sur une femelle qui fait le triple voire le quadruple du poids du mâle, qui est pleine comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous en rendrez compte à la caméra, c'est pour ça que je la manipule délicatement et qui fait en termes de taille facilement le double quoi. Je vais maintenant vous parler maintien et les différents aménagements que je leur offre. Donc voilà un terrarium que j'utilise pour les bois vipères, donc substrat éclat de coco avec un mélange de sphaigne, une grande gamelle d'eau, ça ils en ont besoin, une petite fausse plante pour les cachettes même s'ils en ont pas réellement besoin puisqu'ils utilisent beaucoup le substrat pour s'enfouir, un petit pied de vigne juste ici pour pouvoir faire des galipettes la nuit ainsi que retirer leur mue facilement. Donc vous voyez là on est sur un terrarium qui fait 60 par 40 par 40 et c'est largement suffisant pour ce genre d'animal. Il n'y a pas besoin de plus, enfin vous pouvez donner plus, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est des animaux très sédentaires qui n'utilisent pas forcément tout leur terrarium, en tout cas moi c'est comme ça que je les maintiens. Ensuite au niveau température, il n'y a aucun tapis chauffant, aucune lampe, je les maintiens à température ambiante. Alors attention, température ambiante ça ne veut pas dire votre température que vous avez dans votre salon ou dans votre chambre ou dans votre cuisine, enfin etc etc. Ils sont dans des pièces d'élevage chauffées, exprès pour ça, donc c'est thermoconformiste. Ils n'ont pas besoin d'un gradient thermique chaud-froid, ils ont juste besoin d'une température moyenne préférentielle qui sera aux alentours de 26-28, mais maximum, vraiment maximum. De toute façon, au-delà, vous allez avoir des problèmes avec cette espèce. Il faut savoir qu'avant de chauffer un thermoconformiste, j'utilisais bien sûr un tapis chauffant qui était à 28 et la pièce était aux alentours de 20, que ce soit l'hiver, l'été. Je ne les ai jamais vus sur le tapis chauffant. C'est aussi ce qui m'a poussé à les maintenir de cette façon-là. Terrarium très simple, maintenance très simple, mais après, faut pas se rater. On veillera bien sûr à ne pas les nourrir beaucoup. Moi, c'est des animaux qui mangent une fois tous les 2-3 mois, et je vous mens pas. Et encore que déjà, en mangeant tous les 2-3 mois, ça stocke énormément. Vous voyez ma femelle, quand elle a eu sa portée de petit, par exemple, elle a perdu énormément de poids. Avec 3-4 repas, dites-vous qu'elle a récupéré son poids de forme. C'est des animaux qui stockent énormément, qui se dépensent très peu, donc c'est pour ça, moi, je leur donne maximum 4 à 5 repas par an et ça leur suffit, parce que là on est sur de l'adulte. Par contre je vais vous parler après des juvéniles, c'est totalement différent. Je vais essayer de vous chercher, voilà la femelle et le mâle qui est juste en dessous là-bas, mais on le verra pas correctement.
Bon, en tout cas, si cette espèce vous intéresse, ce sera avec grand, mais alors vraiment grand plaisir que je vous répondrai à toutes vos questions, parce que comme je vous disais, il y a un très grand manque d'informations sur cette espèce. Je peux pas tout vous dire dans une vidéo, parce qu'il y a des choses que je pense pas forcément, ou auxquelles je zappe, ou alors qui peuvent ne pas intéresser tout le monde, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, on est sur un bac, donc de ma nursery. Nursery, c'est un rack où je maintiens tous mes juvéniles, pour les faire grandir, ou en attendant qu'ils partent chez leur nouveau propriétaire. Un grand bac d'eau, toujours pareil, humus, et là, alors tout à l'heure sur les adultes, j'étais sur de l'éclat de coco, là sur le juvénile, je suis plutôt sur de l'humus de coco mélangé à de la sphaigne humide, pas détrempée mais humide, et une petite cachette. Tac, donc on va trouver la petite taie, voilà. Voilà, souvent on demande pourquoi boa vipère, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication quand on voit ces images, donc c'est un animal qui a vraiment tout de la vipère, vous voyez, autant de dessins. Autant les couleurs, autant la forme de la tête. Là, elle va bientôt muer, vous pouvez le voir avec ses yeux qui deviennent opaques. Donc là, pour cette juvénile-là, on est sur un bac qui fait 33 de long par 19 de profond et 11 cm de haut. Elle va pouvoir y rester encore une petite année dedans. Peut-être un peu moins, ça dépendra de sa croissance. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette. J'espère que vous en aurez découvert un petit peu plus sur le canoë Aspera, que vous aurez trouvé un attrait pour cet animal. Si toutefois vous avez du mal à vous décider, n'hésitez pas à venir en privé, on en discutera. Si vous avez des questions sur cette espèce, parce qu'il y a très peu d'informations, je le répète encore une fois, même en anglais, même en allemand, donc n'hésitez pas. Moi, ce que je fais, dès que je vois quelque chose, je note la date, je prends une photo, je référence tout pour plus tard pouvoir faire un petit support, peut-être pas un livre, mais quelque chose là-dessus pour pouvoir tout référencer, mon expérience personnelle, les photos, les événements, comment ça se passe, les durées de gestation, etc. etc. J'attends d'avoir encore un peu plus de recul pour pouvoir faire ça. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Reptistore. Ciao.